Le système audio de votre véhicule comprend la radio AM FM, le lecteur CD, le port USB et l'interface pour iPod, la transmission sans fil Bluetooth et la radio par satellite Sirius XM. La radio par satellite Sirius XM est incluse pour un certain temps à partir de la date de vente d'origine du véhicule. Divers facteurs peuvent avoir une incidence sur la réception de la radio par satellite, notamment la météo, les arbres, les ponts, les tunnels, les stationnements intérieurs, les bâtiments hauts et les émetteurs AM ou FM dans le sol. Pour garantir une réception de qualité, évitez de placer des charges d'une façon qui pourrait bloquer l'antenne de la radio par satellite. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la radio par satellite Sirius XM, consultez votre manuel du conducteur ou rendez-vous sur www.siriusxm.ca/fr. Appuyez sur ce bouton pour allumer le système audio. Tournez ensuite le sélecteur pour régler le volume. Pour faire passer l'écran central au mode audio actif, appuyez sur le bouton « Audio ». Appuyez sur le bouton « Radio » pour sélectionner le mode AM, FM ou radio par satellite Sirius XM. Le bouton « Média » sert à sélectionner le mode CD, USB, iPod et transmission audio sans fil Bluetooth lorsqu'un média compatible est relié au véhicule. Utilisez ces commandes pour changer de station, de morceau ou de dossier. Vous pouvez également commander le système audio à l'aide de l'écran tactile. Pour modifier la source audio, touchez « Source » puis sélectionnez l'un des modes disponibles. À partir de ce menu, touchez « Barre de modification des sources » afin de sélectionner les modes qui s'affichent en haut de l'écran audio ou touchez « Barre d'affichage des sources » pour activer ou désactiver leur affichage. Dans la plupart des modes audio, vous pouvez toucher « Commande » pour accéder à un menu comportant d'autres options. En mode CD, les touches de l'écran tactile sont disponibles pour consulter les pistes et les listes de dossiers ou pour régler le mode de lecture. Il est possible de pré-régler jusqu'à 36 stations de radio pour les retrouver facilement. Pour régler, sélectionnez la bande AM, FM ou SXM, puis syntonisez la station ou la chaîne que vous souhaitez sauvegarder. Touchez une des 6 touches de pré-réglage et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce qu'un bip retentisse. Appuyez sur ces touches pour accéder à d'autres blocs programmés. Pour faire les réglages du système audio, appuyez sur le bouton « Réglage ». Appuyez sur « Réglage son », puis sur la fonction que vous souhaitez ajuster. La fonction « Volume variable en fonction de la vitesse » augmente le volume à vitesse élevée et le diminue à faible vitesse. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation.